football together. Bonjour, c'est Karim Agui. Ex-international tunisien, j'ai passé par Kasserine en Tunisie, Étoile du Sahel, Racing de Strasbourg en France, et puis Bayer Leverkusen, Hanovre, Stuttgart, Düsseldorf. J'ai commencé le foot comme tous les gamins en Tunisie dans la rue. Voilà, en Tunisie, les gens, ils adorent le foot. C'est des gens qui admirent et qui vivent avec le foot, d'ailleurs partout en Afrique. Et puis, j'ai intégré un club local. Ça m'a permis d'évoluer et de commencer ma carrière professionnelle. Et voilà, donc après, j'ai fini par devenir professionnel et voilà. Sans doute, la CAN 2004, la finale contre le Maroc, le titre qu'on a gagné chez nous en Tunisie, c'était le 14 février 2004. Pour moi, sans doute le meilleur jour de ma carrière professionnelle. C'est magnifique ce qu'on a vécu avec nos supporters, tous les Tunisiens. Et d'ailleurs, à mon avis, c'était le moment le plus magique de l'histoire de la Tunisie. La demi-finale contre le Sénégal, Tunisie-Sénégal, pour moi, c'est un match qui m'a marqué. On pouvait gagner ce match, on a fait un très très bon match. Malheureusement, à la fin, on ne l'a pas gagné. Mais pour moi, pour chaque Tunisien, arriver en demi-finale, c'est quelque chose de très important. Magnifique, magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le public tunisien, mais surtout pour moi, ça m'a touché. Dès que le premier regard, quand j'ai vu le trophée, ça m'a amené 17 ans en arrière. Voir ce trophée de nouveau sur le sol tunisien et parmi nous, c'est quelque chose qui m'a marqué et quelque chose d'extraordinaire. Je dirais joie, honneur, mais surtout fierté. Rendez-vous en janvier pour la CAN Total Energy Cameroun 2021.